Bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Vous l'avez vu dans le titre, je vais commencer du coup à m'investir un peu dans Brawl Stars. Et voilà, ça va être une des premières vidéos je pense pour faire une série de vidéos etc. Et voir comment j'avance dans le jeu, essayer de filer des astuces etc. Ou même d'apprendre, parce que je pense que je vais plus apprendre des choses au début que je vais vous en apprendre. Donc voilà, je débute pas vraiment le jeu parce que comme j'ai déjà expliqué dans la première vidéo, quand j'avais fait la vidéo sur la sortie officielle du jeu, j'ai déjà commencé à jouer au jeu l'année dernière, il y a du coup un an et presque et demi, quand le jeu était sorti en bêta, enfin uniquement sur iOS, ce qui fait que là j'ai retrouvé mon compte il y a quelques jours et que du coup bah, j'ai déjà des persos dont un qui s'appelle Beau du coup et qui est maxé, qui est déjà en pouvoir 10. Donc il faut que je retrouve toutes les mécaniques du jeu parce que je suis totalement largué. J'ai refait quelques parties rapidement, comme vous le voyez, j'ai des box à ouvrir, etc. Donc on va les ouvrir pendant la vidéo. J'ai refait quelques parties, d'ailleurs je vais vous expliquer ça en ouvrant les box. Histoire de mettre dans le bain, j'en ai parlé avec des gars sur mon Discord, on s'est chauffé ensemble, on a fait quelques games et tout. Et en plus de ça, j'ai réussi à débloquer de nouveaux personnages que je n'avais pas la dernière fois. J'ai débloqué lui là, Poco qui soigne, et Ricochet qui je trouve est super cool. Et je l'ai eu, je crois, dans une petite boîte totalement à l'arrache. Donc voilà. Ce que j'aimerais bien voir, il y a un personnage que j'aimerais bien voir, c'est lui ou elle. Je veux pas avoir d'emmerde, je sais pas c'est quoi son genre sexuel, je sais pas si c'est un garçon ou si c'est une fille. Mais Penny, je trouve ça super fort, elle met un espèce de canon qui tire des balles super super loin. Je trouve ça giga OP, c'est tellement cancer que je kifferais la voir. Donc voilà. Je sais pas comment ça se passe, je sais pas si on peut débloquer tous les personnages, même les ultra rares, dans ces petites boîtes là. Mais au pire des cas, ça me fera déjà de la thune et ça me fera des personnages à augmenter. Donc je suis totalement preneur de peu importe ce qu'on aura. Mais ça m'étonnerait de réussir à débloquer un personnage ultra rare ou super rare, je sais pas exactement quelles sont les classes de rareté dans ce jeu, dans des petites caisses gratuites évidemment. Mais j'ai une grosse caisse et il y a une espèce de... Alors je sais pas ce que vous en pensez, parce qu'en vrai je sais pas ce qui est le plus rentable à faire dans le jeu en termes d'achat etc. Il y avait un mini pack, je l'ai pris, je pense prendre ce pack là. Il y a aussi la méga boîte, et la méga boîte, vas-y on va la faire maintenant. On va la faire maintenant, à mon avis c'est genre... Quand elle est en promotion, quand elle passe de 80 diamants gemmes à 60 gemmes, à mon avis, c'est le meilleur truc à faire, c'est de la prendre, clairement. Donc on a pas mal de thunes. Bar tabac qu'on peut augmenter, ok. Brock qu'on peut pas augmenter. El Costo qu'on peut pas augmenter, dommage. Gold, allez, s'il te plaît. Objet restant, il reste un truc. J'imagine que du coup, on peut récupérer probablement un nouveau personnage. Pas du tout, El Poco. D'ailleurs c'est juste Poco, c'est pas El Poco. Et je pourrais par contre augmenter les levels de Poco. Et ça c'est cool parce que pour l'instant, comme j'ai débloqué il y a pas longtemps, bah je peux pas du tout augmenter ces levels. Donc ça fait grave plaisir d'avoir réussi à choper du Poco. Et hop, d'ailleurs on en rechoppe juste derrière, c'est formidable. Je vais essayer d'ouvrir les boîtes assez rapidement parce que j'aimerais bien game et vous montrer à peu près comment je joue etc. Ce que je pense faire dans le jeu. J'ai 2-3 idées de stratégie etc. à mettre en place. Mais évidemment je trouve que le jeu prend tout son sens et prend une ampleur différente quand tu joues avec des potes en fait. J'ai l'impression que genre jouer avec des potes plutôt que jouer avec des inconnus, j'ai l'impression de vraiment être pas plus fort, mais il y a une meilleure synergie dans la team etc. Et les gens, on sait ce qu'ils jouent, on sait ce que eux ils savent ce qu'on joue etc. Du coup on peut s'adapter, on peut changer de personnage si ça va pas, on peut faire des tactiques. Et je trouve que du coup bah jouer avec des potes, avec des gens que tu connais, avec qui t'es en vocal, je trouve ça clairement meilleur en fait que jouer avec des randoms etc. Parce que quand je vais jouer, quand je vais taguer là, genre là je vais aller jouer, mais là je vais jouer tout seul. Je ferai sûrement des vidéos, soit jouer avec des potes, soit jouer avec des abonnés, à voir comment je peux organiser le truc. Mais c'est une des idées que j'ai en tête, histoire de faire pas mal de vidéos sur Brawl Stars, vu que je trouve le jeu giga cool et que c'est un plaisir déjà de découvrir un nouveau jeu qui est agréable à jouer. Et ça, c'est assez formidable. Donc voilà. Mais ouais, jouer avec des randoms, avec des gens comme ça totalement au hasard, c'est très casse-gueule et je tombe tout le temps, mais genre, bon, tout le temps, j'exagère un peu, mais je tombe très souvent sur des gens, ils sont en train de jouer et d'un coup, ils arrêtent de jouer. Pourquoi ? Qu'est-ce que... Comment ça se passe en fait dans votre tête? Genre vous avez lancé une game, il y a des gens comme ça, ils lancent une game et après ils arrêtent de jouer. Pourquoi? Pourquoi? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais je sais pas quel est le concept derrière ça en fait. Ok, bon, pas de nouveau personnage, je me suis dit, je m'attendais, j'espérais honnêtement avoir un nouveau personnage. Mais pas de nouveau personnage, voilà. Alors ça c'est une boîte, la boîte que je suis en train d'ouvrir là. Je crois qu'elle s'obtient en étant joueur star sur une map et genre à chaque nouveau événement, si on est joueur star, on peut avoir une étoile. On est limité du coup à une étoile par map, par événement, si j'ai pas de bêtises. Je crois que c'est un délire comme ça. Et cette boîte là, elle est assez dure à obtenir. Donc on a de la merde. Ok, génial. Je m'attendais à un... Ah, on a des gemmes, ok. Je m'attendais à un nouveau personnage, je suis totalement dégoûté. Ok, alors attendez. Pourquoi je peux le monter combien? Ok, je peux le monter rang 3, c'est pas énorme. Et lui, il peut monter rang 4, c'est pas énorme. Et lui, il peut monter rang 5, ok.
Ok. Donc ouais, pour l'instant, je joue essentiellement bot, simplement parce que bah, je trouve que comme il est maxé, c'est le plus fort de tous les personnages que j'ai. En plus, il a cette espèce de pouvoir qui est débloqué où il peut voir plus loin dans les buissons et où les gens avec qui vous jouez peuvent également voir plus loin dans les buissons. Donc je trouve assez OP pour ça en fait. Il vous permet un peu de faire la diff, si j'ose dire. Et là, typiquement, on est face à, je crois, 3 tanks en face. J'ai vu un Il Poco, un Bull et l'autre, là, je sais pas comment elle s'appelle, la grosse. Ouais, je dis la grosse, je suis désolé si je veux choquer des gens, mais voilà, elle est pas feed, quoi. Elle passe pas vraiment son temps à la salle, on va pas se le cacher. Ou alors elle passe son temps à la salle, mais elle passe son temps à la salle à manger. Je suis désolé, hein, je fais une vidéo, je suis déjà grossophobe, mais voilà. Alors, attendez, ça va être un peu tendu. Donc ouais, on est face à 3 tanks. La game s'annonce un peu corsée, on va pas se le cacher. Il y a l'autre là qui va nous foncer dessus à tout moment. Ok, en vrai elle a super bien placé son heal, on est vraiment bien avec le heal. Mais sauf que il faudrait que je tank pour le heal pour pas qu'on se fasse shooter le heal en fait. Voilà, pas du tout comme ça en fait. Yes, ouais voilà, lui faut le buter, lui faut le buter, faut le buter, faut le buter. Yes. Ah pas du tout. Il y a la moitié de mes flèches qui sont parties à côté. Non, non, non. Yes. Ceci dit, hey, j'ai l'impression qu'on va gagner là, non? On a l'air plutôt bien pour le moment. Ah bon, on est bien parti. Bon, faut que j'arrive à péter leur tourelle. Genre comme ça. Yes, pète la tourelle, pète la tourelle. Yes, ma boy! Et là, on a gagné. Là, théoriquement, on a gagné, sauf si elle meurt. Mais si jamais elle meurt, je suis derrière pour récupérer tout. Faut vraiment pas qu'elle meure. Yes, voilà. Donc là, typiquement, c'est le genre de scénario que j'aime bien. Parce que bah, on a gagné. Je suis avec des mates qui sont assez intelligents. Et qui, une fois qu'on a tous les gemmes, vont rester en arrière. Bon, là, c'est un peu remonté, mais. Voilà, je trouve que jouer avec des potes. En vocal, on leur dit bah tiens, descendez, descendez, j'ai tous les gemmes, etc. Je trouve que c'est un peu plus compliqué quand on est comme ça avec des inconnus. Je vais rejouer, ok. Apparemment, je pue la merde, ils ont tous les deux dit non, ils ont pas du tout voulu rejouer avec moi, ok. Bon, on va jouer tout seul, hein. Mais ouais, je trouve que du coup, c'est vraiment plus plaisant d'être à plusieurs. Et quand je suis en solo comme ça avec des gens que je connais pas, etc., je trouve ça vraiment, mais vraiment très casse-gueule. Parce que voilà, j'aime bien jouer des compos où par exemple, bah, je vais avoir un mob qui fait des dégâts, un tank et un healer. Donc là, typiquement, on n'a pas de healer, on a un tank. Mais apparemment, le tank il est un peu gogol. Parce que je le voyais, il faisait tout sauf taper en fait. Donc c'est un tank, mais. C'est il tankait, mais voilà quoi, ça s'arrête là en fait. Oh là là, je vais prendre cher, je vais prendre cher, je vais prendre cher. J'ai fait n'importe quoi. Non, non, et voilà. Et là, je me suis pris un ulti dans la gueule, typiquement. Typiquement nul, mauvais move du joueur français. Non, Yanita, allez buter, please. Elle est vachement tankée, elle a 5000 HP. What? Non, mais t'as pété le mur de notre côté, frérot. C'est pas le bon plan à faire. Hop. Qui c'est qui a récupéré les diamants? Ah, c'est le tank. Ok, nickel. Nickel, ça c'était smart de sa part. Vraiment un bon move. Faut que je me heal un peu. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je vais y passer. J'y suis passé, effectivement. Je suis totalement mort. En vrai, le tank il a l'air de savoir jouer, hein. Et ça, c'est bien aussi sur cette map, c'est d'avoir un tank qui récupère les gemmes pour nous. Bah tiens, il y en a. Hop, et voilà, on a gagné. Enfin, on a gagné pour l'instant. Wow, il a plus d'HP, il a plus d'HP. Il a plus d'HP, vite! Ah non, il nous en manque un, j'en ai loupé un! Non! On est à 9! Oh là là, oh là là! Faut que je fasse un truc, je chante un move. Je tente un move, je tente un move. Faut que le tank il avance, faut que le tank nous protège. Vite, fais quelque chose! Aïe! Oh bah ouais, vas-y, ressort l'ours en plus. Non, ma pote elle s'est fait des pop! Non! Ma pote s'est fait des pop et ils vont. Ouais, voilà, on va perdre. Je suis dégoûté! Non! Ça devait pas se passer comme ça, Zinedine! Pas après tout ce que tu as accompli! Et qu'est-ce qui branle lui? Mais il est débile ou quoi, gros? Pourquoi tu tapes dans le mur? Tape dans les ennemis! Aïe! Bah ouais. Ouais. Mais ça, c'est la faute de mes alliés, hein. Parce que si j'étais tout seul, j'aurais gagné tout seul, hein. Il y a un truc avec ce genre de jeu aussi également, c'est que c'est super simple de cracher sur les gens avec qui on a joué. C'est totalement simple de leur dire, putain, t'as pué la merde sur cette map. Qu'est-ce que t'étais naze. C'est super simple en plus. Et jamais se remettre en question. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien genre pouvoir tacler les gens comme ça en mode, oh, qu'est-ce que t'es nul. Alors que j'ai fait aussi des mauvais moves dans la partie, on va pas se le cacher.
Mais voilà, je trouve qu'il y a plein de choses à faire sur ce jeu en termes de. Il y a beaucoup de maps, il y a beaucoup d'events différents, etc. Enfin, il n'y en a pas non plus des milliards, mais il y en a quand même pas mal, je trouve, pour un jeu mobile. Et avec toutes les compos différentes qu'on peut faire, je trouve qu'il y a une espèce d'infinité de choses à faire sur le jeu et de découvertes en vrai. Ah, yes. Non. Non, l'autre il va m'agresser. Ouais, mais juste les diamants. Ok, pourquoi pas. Yes. Faut qu'on bute le healer. Yes, voilà, nickel. Nickel, les gars. Ou il y a peut-être des filles. Il y a peut-être des filles qui jouent avec moi. Je ne sais pas. Votre sexe n'est pas inscrit à l'écran. Je pense que ça va arriver par le bas. Pas du tout. Je me fais totalement bait. Ah, si. Non, j'ai tiré trop bas. D'ailleurs, ah oui. What? Fuck. Ah oui, d'accord, ok. Non, on s'est fait laminer. Là, on s'est fait laminer. Il n'y a même pas questionné. Est-ce qu'on n'était pas loin de gagner ou pas? Là, on s'est fait laminer de chez laminer. Ok, on a buté le tank. Faut qu'on arrive à buter les deux autres, on est bon. Elle est giga forte, Nita. Ni, je sais pas comment elle s'appelle, l'autre, là. Yes. Non, il a récupéré les diamants. Non, elle avait son bouclier, je suis débile. Ok. Ah oui, alors. Je sais pas si. Parce que au début du jeu, quand le jeu est sorti, il n'y avait pas ce truc où on pouvait juste taper sur le truc de visée et ça tapait et ça tirait. On avait pas ça au début. Ouais, genre de jeu, j'ai plus rien à faire. On a plus rien à perdre, on a gagné. Il n'y avait pas ce truc de tirer et ça tirait automatiquement sur la personnalité, cette espèce d'IMBot. Du coup, j'ai pas trop cette habitude. Ah, il y a la lumière, nickel. Il y a le soleil, la lumière du jour qui vient apparaître. Donc voilà, j'ai pas trop l'habitude d'appuyer sur le truc pour tirer. Au début, et en fait maintenant je fais tout le temps. Maintenant je fais vraiment, vraiment tout le temps. Genre je cherche même plus à viser, je tire et point barre. Pff, je m'emmerde même plus à viser. Il y a la lumière du jour qui est apparue. Plutôt formidable. Donc ouais, je tire. De temps en temps je vise quand j'ai besoin de... Quand j'ai envie de tempo en fait en quelque sorte, bah je... Aïe, tu fais quoi toi là? Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te prends? Donc voilà, quand j'ai besoin de tempo genre comme là, à la limite je le fais. Mais sinon en temps normal je tape. Et voilà, donc j'ai pris cette habitude maintenant que j'avais pas du tout avant. Ouais, on va prendre cher. Yes, pas du tout, si. Aïe. Ouais, arrête s'il te plaît. Est-ce qu'il fait mal son poison? En fait je sais pas si le poison... Non mais toi tu saoules le petit cactus là. C'est quoi ce cancer? Aïe, je suis tout seul. Ah mais ils sont tous les deux morts? Ah non, il reste le healer. Hop, bon, toi tu me saoules par contre. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Ok, GG la team. Eh, hey, il joue bien dans l'équipe là en vrai. Là j'aime bien. Ça c'est le beau jeu. On gagne tout de suite, j'aime bien. Hop, par contre va falloir arrêter au bout d'un moment. Non. Allez, j'arrive. Toi tu dégages. Et toi tu vas vite dégager aussi. Voilà, merci. Ah, j'ai pas touché une seule fois, d'accord, ok. Oh non, ma vie c'est de la merde. Et j'ai fait mon ulti beaucoup trop loin. Non, y'a l'ours. En vrai, on va gagner, non? Match terminé, on a gagné. Ok, bon, on était meilleur. Hein. On a clairement été les meilleurs ou pas? Continuez. Bon, écoutez, on s'en fait une dernière et je vous abandonne là-dessus. On s'en fait une dernière, chez dernière, et je vous abandonne là-dessus. Donc, ouais, je trouve qu'il y a des synergies de team qui marchent très bien, à savoir, bah. Un espèce de gros tank, un healer et un mob qui est un DPS derrière ou autre. Et ce qui n'est pas vraiment faisable à faire en aléatoire comme ça avec des gens qu'on connaît pas. Sauf que bah là, excusez-moi, faut jouer hein, Mbappé et Fichou. Il y a un moment les gars où faut faire des trucs. Donc ouais, je trouve qu'en random c'est pas très très faisable. Mais avec des potes c'est clairement mieux. Et pour ça que je me disais pourquoi pas faire des vidéos là-dessus. Ou soit jouer avec des abonnés, soit avec des gens que je connais. Je l'ai fait venir en vocal et tout, on se tape des barres sur le jeu. Et toi tu saoules depuis tout à l'heure à faire des gauche-droite comme ça dans ton coin. Ah merde, j'ai tiré avant, j'ai mal joué, j'ai très mal joué. Il m'a eu. Ah oui, d'accord, ok. Je trouve que Bulle, on va pas se cacher que Bulle, je crois qu'il s'appelle Bulle le personnage là qui a l'espèce de... Qui a l'anneau gastrique au niveau du nez. Je crois que ça s'appelle Bulle. Il est débile en vrai, on va pas se cacher, on le regarde jouer, on le regarde faire ses moves, il a l'air débile. Il a pas inventé l'eau chaude, clairement, on va pas se le cacher. Non. Ah, c'est le healer qui a tous les... Ok. Allez tuer le healer, s'il vous plaît, por favor.
Aïe, aïe, aïe. Vite l'ulti. Oh, y'a l'autre qui va me gaver. Yes, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Yes, non. J'ai été nul. J'ai été nul. Ok, ils l'ont tué. Ils l'ont tué ou pas? Oh, c'est le bordel là-bas. Tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Yes, non. Non, 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 bah je suis tout seul. Ok, vais-je le faire? Je vais pas le faire. 100% je meurs. Non, ça passe. Ça passe, ça passe. Ok, tue-le, vite, vite, vite. Merci pour le heal, frérot. Voilà, très bonne stratégie là. Là, on a bien joué. Là, le heal, il était bien placé. Parce qu'en général, quand je joue avec des randoms, ils vont placer leur heal, mais n'importe comment. Genre, limite, ils vont paniquer, ils vont balancer le heal, ils vont même pas regarder où ils le balancent. Yes, yes, yes. Ok, pas du tout. Pas du tout, du tout. Ok, il nous en manque plus 3, on a gagné les boys. Hop, faut que je fasse des dégâts un peu quand même. Ça serait bien de faire des dégâts. Please. Ok, non, la tourelle, la tourelle, la tourelle, la tourelle. Non, la tourelle. Mmh. Yes, yes, yes. Vite, vite, faut en tuer, faut en tuer, faut en tuer, faut en tuer là. Là, 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 yes, yes. Et on a gagné, on n'est pas les meilleurs. On n'est pas les meilleurs. Et voilà, on a encore gagné. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On serait pas Z-Boss? Oui, par contre, il faut arrêter d'embêter mon ami, s'il vous plaît, ça serait sympa. Donc voilà. Ça, c'est le genre de compo que j'adore jouer. Genre, un tank, mon personnage, il est un peu tank, il fait un peu de dégâts, un DPS, et ensuite un healer. Voilà, je trouve que c'est vraiment une très bonne compo, et que ça permet de gagner des points, c'est facile. Je vous abandonne là-dessus. Je me tâte à vous faire genre une vidéo de temps en temps où je teste les events, où je teste des persos que j'ai pas l'habitude de jouer parce que pour le moment, bah, je joue uniquement lui. Mais j'aimerais bien tenter des trucs avec Ricochet qui est super sympa et également essayer de jouer support et de jouer Poco le heal même si je suis pas du tout un joueur support ou même Bartaba dans certains trucs et voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu là-dessus. J'ai pas genre le plus grand skill sur le jeu clairement vu que j'avais abandonné le jeu, là je le reprends un peu, il faut le temps que je retrouve les marques etc. Mais j'espère quand même que le gameplay vous a plu. Je vais essayer de m'arranger pour jouer avec des gens qui ont un peu plus de level que moi, qui peuvent me dire quoi faire etc. Et également du coup vous dire quoi faire et voilà. Bref, YouTube, petite vidéo comme ça, je vous dis à la prochaine, passez une bonne journée, une bonne soirée, amusez-vous bien, salut salut, bye bye.